qui est aux aînés Maxime Viviez. Je reprends mon sérieux. Kérosène, ça fait des années que tu m'as embarqué dans un jeu de détruire ma carrière. Tout le monde, famille en moi, tous les réels en moi, ils savent ça. C'est un qui le monde au loin qui apprend bas, qui pas connaît l'histoire. Deuxièmement, Maxime Viviez. Je veux vous dire un truc, Kérosène et Maxime Viviez. Moi, personnellement, papa ne m'a pas laissé d'entreprise. Je vais repréciser encore une chose à Kérosène et Maxime Viviez. Regardez la lumière qui est derrière moi. Papa ne m'a pas laissé d'entreprise. N'oubliez jamais ça. Papa ne m'a pas laissé d'entreprise millionnaire, moi personnellement. Ouvre-moi ça. One eye, one ghost. Papa ne m'a pas laissé d'entreprise, les mecs. N'oubliez jamais ça. Maxime, tu portes plein de comptes, moi, au lieu de me rendre riche. Alors que tu aurais pu me produire. Il y avait un studio d'enregistrement à l'entreprise. J'ai toujours bossé pour toi, comme il fallait. C'est toi qui as refusé mon aide, Timal. Parce que t'as vu une fois que j'ai posté des photos de moi au travail, t'es venu me dire, ouais, ça, de quel droit tu postes les photos de ton travail dans ton Facebook. Il faut savoir qu'avant de poster des vidéos buzz, de flash, je postais que mon travail dans mon Facebook. Ce que je faisais, des bonnes choses. Maxime Viviez, le millionnaire de 23 ans, est venu me reprocher que ce que je faisais, de l'arrêter de retirer des vidéos de mon travail sur son Facebook, alors que c'est mon travail, c'est mal, que je montrais aux gens. Ok? Donc moi j'ai arrêté. Kérosène, j'ai fait des chansons avec toi. Okay? Il y avait plusieurs chansons prévues. Une pour mon album. Tu as retardé, t'as venu, t'es jamais venu. Mana qui était à la base, mon pote, Timan. Grand cousin, m'a trahi pour toi, Timan. Je sais pas pourquoi jusqu'à preuve du contraire. Je repoussis ça, Guadeloupéen, parce qu'un jour entre toi et moi, il y aura au moins une fusillade, une bagarre de ouf. Tu vois, même Mana, là, je sais même pas ce que, quand on va se croiser, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je préfère vous prévenir, Timan, de ce que vous avez fait, Timan. Maxime Viviez, n'oublie jamais, mon papa ne m'a jamais laissé d'entreprise, Timan. Mon papa ne m'a jamais donné 2 millions d'euros pour ouvrir une entreprise, Timan. N'oublie jamais ça, Maxime Viviez. Donc, quand tu veux attaquer, Timan, moi, Timan, un petit malheureux, Timan. Je n'ai tant qu'un toi, Timan. Un petit garçon à nourrir. C'est seulement que je te demandais, c'était de me donner un petit peu, de me donner 1000 euros, voire 2000 euros dans ton million que tu fais chaque année. Ça t'a dérangé et tu veux m'attaquer en justice, mais moi je vais te réclamer 100 000 euros, Timan. Et je préviens la Guadeloupe, c'est Maxime Viviez qui va m'attaquer en justice. Mais le jour du procès, Timan, j'aurais aimé que les médias viennent parce que je vais réclamer 100 000 euros d'indemnisation à Maxime Viviez. Kérosène, c'est une petite pute. Je vais m'occuper de toi dans la musique, toi. T'inquiète même pas. Quand j'aurai mes 100 000 euros que Maxime Viviez va me donner généreusement, cordialement et sans trop parler, je vais te niquer ta mère dans la musique, Kérosène. Parce que j'aurai les moyens de le faire. Chaque chose en son temps. On est au calme, les gars. Comme vous voulez jouer avec moi, on va jouer jusqu'au bout. Terminé. Bum! Des crèmes, chien.